selon vous, est-il important de battre le pavé aujourd'hui? Non, je crois qu'il est important de battre le pavé, comme vous dites, pour montrer que le peuple souffre et que le peuple est conscient de ce qui est en train de se passer et que le peuple malien n'est pas un peuple qui reste passif. Aujourd'hui, les dérives sont réelles. Aujourd'hui, les gens souffrent. Aujourd'hui, le pays est au bord de la division. Aujourd'hui, les Maliens se rendent compte qu'il y a beaucoup d'illusions, qu'il y a beaucoup de malgouvernance. Le peuple malien se rend compte que la corruption gagne du terrain, que les autochtones gagnent du terrain, que le gouvernement n'a absolument aucune vision et qu'aucun Malien ne sait de quoi demain sera fait. Si nous ne nous ressemblons pas, si nous ne nous rassemblons pas, si nous ne sommes pas ensemble pour marquer le coup, rien ne va changer. Personne ne fera le Malien à notre place, surtout pas ce gouvernement. C'est pour ça qu'il est important aujourd'hui de commencer une action qui ira très loin. Montrer aux Maliens que nous devons rester ensemble, nous devons nous unir, nous devons nous battre. Et aujourd'hui, le mécontentement est général dans le pays. Ce n'est pas une affaire que de l'opposition politique, c'est une affaire de tous les citoyens. Les élèves sont là, les opérateurs économiques sont là, les vendeurs de charbon sont là, les commerçants détaillants sont là. Tout le monde est là aujourd'hui parce que tout le monde se rend compte que la gouvernance actuelle nous met directement au mur. Et nous ne pouvons pas l'accepter, nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous devons prendre nos responsabilités face à tout ça. Et nous devons nous mettre au devant de la population pour leur montrer le chemin et qu'ils nous suivent pour qu'on puisse trouver des solutions à ces problèmes-là. Voilà pourquoi on est là et il faut qu'on reste mobilisé à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que des solutions soient trouvées à nos problèmes.